Oh, je suis tombé, je suis tombé. Non, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. Il est nécessaire de vérifier qu'elle est consciente. Il faut également vérifier qu'elle ne saigne pas et n'a pas de douleur ou de traumatisme apparent sur la tête et aux membres. Attends, je vais chercher maman alors. Maman ! Le mieux est d'intervenir à deux, peu importe la force de chacun, car la technique va vous permettre de relever une personne, même lourde. Pour effectuer cette technique, il vous faut une longue serviette de toilette ou un vêtement que l'on peut rouler. Maman ! Tu peux prendre la serviette ? Papy, il est encore tombé sur la terrasse. Tu peux t'asseoir ? Bon bah oui, je pense. On va passer une serviette sous tes aisselles. Mais attends, je vais prendre une chaise quand même. Bien plier tes jambes et on va caler tes pieds pour pas que tu glisses. On t'attrape au niveau du pouce. Et 1, et 2, et 3. Vas-y, assieds-toi. Oh bah merci bien. On est mieux sur une chaise. Hein. Si j'y arrive, pourquoi pas vous? Voici le rappel des différentes étapes. D'abord, vérifiez s'il y a un traumatisme ou des blessures. Si oui, appelez le 15. Sinon, faites asseoir la personne. Passez la serviette sous les aisselles. Faites-lui plier les genoux. Calez bien vos pieds pour éviter de glisser. Attrapez-la au niveau du pouce. Pliez vos genoux et placez-vous en fente avant de façon à forcer sur vos cuisses et non sur votre dos. Tirez simultanément la personne pour la relever.